Voilà. Alors, on va se retrouver maintenant, donc du coup, pour se faire donc une petite explication. On va fermer tout ça, il n'y a pas besoin d'avoir tout ça. Pour remettre en fait, donc on avait j'avais une Wicora donc qui buguait récemment. Donc du coup sur pour mettre les dernières sorts utilisés. Oui, ça verrait bien pratique pour les gens tout simplement qui regardent de voir la liste des sorts utilisés par le personnage. Si vous aussi vous voulez faire ça, Details le fait aussi. Alors moi je l'avais pas activé parce que Details, ben voilà, c'était, ça servait à rien de l'activer deux fois. Mais vous pouvez avec Details rajouter un petit truc qui s'appelle Details Streamer. Voilà. Et donc du coup on va retrouver, alors ici, moi je l'ai ici, le Details Streamer. Je pense qu'il doit y avoir moyen également de le retrouver ici dans les options, dans les plugins hein, peut-être. Ici, standard, fenêtre. Ouais, ça doit être dans les options. Alors du coup, hein, qu'on doit pouvoir trouver ça, Autorun, je l'avais vu, je sais plus où. Les avancées de mort, les tools, les macros, c'est pas ça. Les nameplates. Alors j'avais vu l'option qui était cochable quelque part. Gadget externe peut-être. Tracker de niveau d'objet. Ça peut être sympa aussi. Tracker de niveau d'objet, en fait, ça permet quand les gens sont ready, en fait, quand on est coupé, de voir. Un lien de correspondant avec le Mythic Dungeon. Ça, c'est pour. Ça, c'est les outils de raid. Ah, le broadcast. Il est là. Il est là, le broadcast. Donc ça, pour ceux qui l'ont pas, voilà, on va du coup aller, donc comme je l'avais dit, dans Options et descendre ici, du coup, sur Broadcast. Ou sinon, si vous avez Titan Panel, vous le retrouverez ici dans les options que vous pouvez cocher. Dans Généralité, dit-elle. Voilà. Alors, du coup, on se retrouve ici. Ouais. On va l'avoir deux fois. Hein. On peut l'ouvrir de deux manières différentes. Voilà, et c'est ça qu'on va vouloir afficher. Donc, je vais charger. Voilà, notre plubling. Alors, on voit, ça va se mettre comme ça. Et les sorts vont se mettre dans cet ordre-là. Moi, ce que je voulais pas forcément dans cet ordre-là. Je vais regarder si je peux du coup inverser le sens. Voir le HPS, oh, HPS, DPS. Alors, square direction, nous voilà. Là, nous on va le mettre en sens inverse parce qu'on veut pas l'avoir dans ce sens-là. Je vais réduire ça parce que moi je veux un bandeau en fait. Voilà. Il met à chaque fois que les quatre derniers, hein, on en remarque. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un peu plus? FPS. Je sais pas pourquoi on peut montrer ça, le show DPS ou FPS. On peut mettre un background. Personnellement, je le préfère transparent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai entendu un bruit, je suis attirée un peu. J'ai l'oreille qui part. À cause de petits bruits partis par là. Alors, barre texture. Est-ce que moi je voudrais une barre texture transparente? Parce que je voudrais que ça se voit le moins possible sur mon écran en fait.
En fait, je voudrais carrément pas de barre texture en fait. Là, j'ai réduit au minimum. Il faut croire qu'on ne sait pas réduire plus petit. C'est ça qui est dommage, c'est que Wikora permettait de faire la barre sans avoir... sans avoir cette espèce de détail de streamer action tracker. Mais on voit ici qu'on peut avoir différents trucs. Hein. Arena, DPS bar, event tracker. What's happening near you to the viewer? Ouais, c'est pour montrer tout ce qui se passe. Montrer les cooldowns, les CC, les interrupts. Ça, c'est un event tracker. Genre ici, hein, c'est pas besoin de. Et action tracker. Donc celui-là en fait. Hein. Et ça rouvre la fenêtre. Hein. Donc pour ouvrir cette fenêtre, si vous n'avez pas. En fait, ici, c'est un petit temps panel. En fait, hein, tout simplement. Mais ici. Hop. Option et ça rouvre cette fenêtre. Hein. C'est comme ça qu'on arrive dessus. Around cone. The light frame is placed in your interface. Voyons, on va voir si ça change beaucoup les choses. Ah, je trouve ça dommage par contre qu'on ne voit pas plus que 5 icônes à la fois en fait. Alors j'ai cette frame qui est super grande. On peut cacher. Alors, pourquoi maintenant ça marque 31K? 31K de quoi? Ah c'est bon, l'HPS. Ok, il se colle sur ma gueule. Oh non, voilà, j'ai pas besoin de ça. J'ai là les trucs ici. Voyons voir sur le profil. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre hein? Minimap icon, background color, scale. Alors, est-ce que ça reste tout le temps ou est-ce qu'on peut le faire disparaître quand on n'est pas en combat, justement? Alors, général, surpresse alerte, update per 3 secondes, non? Non, on peut pas. Salut, comment ça va? Les meilleurs CD du jeu? Comment, coucou Blast, comment ça les meilleurs CD du jeu? Café, vous êtes à la pause café. C'est cool ça. Je suis en train de regarder comment... J'ai eu un bug hier sur Wikora. Et je suis en train de regarder comment faire pour faire les spells SP. Ah oui. Ok, je vois. Ouais, c'est là, l'event tracker. Ah, ça se lève seulement maintenant. Eh, moi, ça fait déjà 2 heures que je suis debout. Oh, ya, ya. Ça a l'air de disparaître au bout d'un moment. J'aurais voulu avoir plus que 5, en fait. C'est dommage. Bon, ce sera de la mieux que l'autre, la Wikora, qui était en train de bugger. Ce sera de la mieux comme ça, je pense. On va rester ça comme ça. Comme ci, comme ça. Hop. Je vais repasser là.